Très bien, donc on attaque aujourd'hui les androgènes. On avait initié la corticosurréale la dernière fois. On avait parlé de l'axe du cortisol, d'accord? Et on avait aussi parlé de l'axe des minéralocorticoïdes. On avait très rapidement parlé des minéralocorticoïdes parce qu'on les avait vus sur la physiologie rénale. Et ensuite, on avait aussi introduit l'axe du cortisol. Et on avait parlé en détail. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de la troisième couche de cette corticosurrénale. C'est la couche qui est responsable des androgènes. Et on va parler de quelques caractéristiques de ces androgènes surrénaliens. D'accord. Les androgènes, on ne va pas vraiment les détailler fait le chapitre, puisque vous avez un chapitre détaillé, celui des hormones stéroïdiennes en biochimie. D'accord. Là où vous avez les filiations et tout. Il faut les apprendre, les filiations. D'accord. Avec le schéma où chaque couche ou chaque organe, chaque type de tissu est spécialisé dans la production d'un ou de plusieurs types d'androgènes stéroïdes. D'androgènes ou d'autres hormones stéroïdes. D'accord. Les oestrogènes, la progestérone. D'accord. C'est un oestrogène. D'accord. Donc, représenté essentiellement par la dihydroépiandrostérone, DHEA, et l'androstenedione. Donc, j'ai deux principaux stéroïdes androgènes au niveau de la surrénale. Ce sont la DHEA et l'androstenedione. Il faut les apprendre les deux, hein? D'accord? L'androstenedione et la DHEA. Les androgènes surrénaliens AS sont liés dans le plasma avec l'albumine et avec une faible affinité à la SBP. D'accord? Les androgènes surrénaliens sont liés dans le plasma à l'albumine avec une faible affinité à la E à la SBP, la Six Binding Protein. Il manque un E. Donc, un des deux transporteurs. La DHEA, il y a la même, la 5 alpha. Non. La 5 alpha? Quelle 5 alpha quoi? Attention, la 5 alpha, vous parlez de la 5 alpha réductase ou bien. Non, j'ai 11. Oui, laquelle? Quelle est la 5 alpha DHEA? Oui, c'est elle. Oui, c'est la même. D'accord. Donc il faut faire la différence entre les enzymes et les hormones. D'accord. La bêta HST, là. Yeah. Les alpha HST, c'est des enzymes. D'accord. DHEA, c'est la même. Très bien. Donc les androgènes surrénaliens, il y a deux types de transporteurs. Des transporteurs spécifiques et des transporteurs non spécifiques. Le transporteur non spécifique, c'est l'albumine. D'accord. C'est la même chose que pour l'aldostérone et que pour le cortisol. Le transporteur spécifique, il s'appelle le SBP, le Sex Binding Protein ou le Sex Hormone Binding Protein. Une protéine spécialisée dans le transport des hormones sexuelles. D'accord? On l'appelle la SBP. C'est le transporteur spécifique des androgènes. La majorité des androgènes surrénaliens sont éliminés sous forme de 17 cétostéroïdes urinaires. C'est-à-dire qu'une fois formés, ils vont être métabolisés au niveau du foie. D'accord? Pour les rendre plus hydrosolubles. Parce que c'est des hormones stéroïdiennes. Stéroïdiennes, maintenant, un noyau liposoluble et hydrophobe. Donc, je dois les solubiliser en les métabolisant. Qu'ils métabolisent mieux l'eau hydrosoluble et je peux les éliminer par voie urinaire. D'accord? Très bien. Très bien. Il y a un petit détail. Puisqu'il y a des androgènes, c'est des androgènes surrénaliens. Quand je parle d'androgènes, c'est-à-dire que je suis en train de parler d'hormones sexuelles mâles. D'accord? Mâles. Androgènes. Yeah. Les androgènes sont synthétisés par la surrénale. Qu'est-ce que vous en déduisez? Surrénale. La surrénale, on la retrouve chez l'homme, mais aussi chez la femme. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces androgènes chez l'homme et chez la femme. Ils ne sont pas spécifiques de l'homme, comme les hormones qui sont activées ou synthétisées au niveau des testicules et qui sont spécifiques à l'homme. Donc faites très attention. Faites très attention. Les hormones, ils ont des taux spécifiques à l'homme. Ou de la femme, puisqu'ils sont synthétisés par la surrénale et on retrouve cette surrénale chez l'homme mais aussi chez la femme. Comme c'est là, bonjour. D'accord, grâce. Vous avez cherché la différence entre l'homme et l'esprit. D'accord, allez-y. Androgènes surrénaliens, toujours. Le rôle biologique des androgènes surrénaliens est négligeable chez l'homme adulte. Vous voyez, qui peut me régler le problème? Nous avons dit que c'est des androgènes, c'est des hormones sexuelles mâles. Yeah. Elles ont un rôle sexuel mâle. Et en même temps, on vous dit que le rôle biologique est négligeable chez l'homme. Pourquoi? Parce que...
S'il vous plaît, élevez votre voix. Très bien, parce que l'homme possède des testicules qui vont être spécialisés dans la synthèse des androgènes. C'est comme si l'homme n'avait pas besoin de ses surrénales. D'accord ? Ils ne vont représenter qu'une partie infime, une petite partie des androgènes actifs chez l'homme, puisque l'homme il a des testicules qui vont réaliser la majeure fonction de production des androgènes. Donc ils peuvent vivre sans... Oui, oui, sans ces androgènes, oui, parce que ce n'est pas... Non. On va parler d'insuffisance. Non, la surrénale fait gérer les androgènes, fait aussi le cortisol. On ne peut pas vivre sans cortisol. On avait dit que la médulo-surrénale était non vitale, mais la cortico-surrénale était une glande vitale. On ne peut pas vivre sans cortico-surrénale. D'accord ? On va mettre la surrénale, on va mettre la glomérule, ou la fasciculée, d'accord ? Non. Très bien. Les androgènes surrénaliens subissent une conversion dans les tissus périphériques en androgènes beaucoup plus actifs, comme la delta-4-androstendione et la testostérone, ou en oestrogène, ou les deux. C'est-à-dire que ces hormones qui ont été synthétisées au niveau de la surrénale, ils vont être convertis dans les tissus périphériques pour devenir actifs ou bien plus actifs. Quelles sont les glandes périphériques? C'est les glandes sexuelles, principalement, les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme, mais aussi les autres tissus comme le tissu adipeux, surtout le tissu adipeux. Faites très attention, le tissu adipeux est une glande. Le tissu adipeux est une glande. Qui peut synthétiser ces hormones propres? D'accord? Comme l'adiponectine, ces hormones propres. Mais qui peut aussi synthétiser d'autres hormones ou convertir d'autres hormones? Et rappelez-moi de vous dire qu'il y aura le rapport entre l'obésité et certains cancers. L'obésité et certains cancers, surtout le cancer des seins et le cancer de l'endomètre. Yeah. On va en parler. Chez l'homme, la production de la testostérone à partir de cette source ne représente que 5% de la production totale de l'hormone. Donc, la testostérone n'est synthétisée qu'à 5% au niveau de la surrénale. Les 95% sont synthétisés au niveau des testicules. Au niveau des testicules. Quelles sont les cellules endocrines du testicule? Très bien, les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, principalement. Les cellules de Sertoli synthétisent certaines hormones, comme l'inhibine, d'accord. Mais la testostérone est surtout synthétisée par les cellules de Leydig. Les cellules de Sertoli ont principalement une fonction exocrine, celle de nourrir les spermatozoïdes en cours de formation. Yek ? Rappelez-vous-en. Très bien. Chez la femme, la plus grande part de la testostérone est produite par cette conversion des androgènes surrénaliens. 40 à 65% de la production totale de la testostérone. Donc vous voyez, les glandes surrénales ne peuvent synthétiser qu'une petite partie d'androgène. Une toute petite partie des androgènes. Et la toute petite partie d'androgène, chez l'homme, elle représente 5%. Mais chez la femme, elle représente 60%. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas beaucoup de testostérone. D'accord? Le reste de quoi? De la testostérone chez la femme. C'est la conversion périphérique. D'accord, c'est la conversion périphérique. Est-ce que vous avez compris? Elle a dit chez l'homme et chez la femme, la même chose. Chez l'homme et chez la femme, j'ai une toute petite quantité d'androgènes qui sont synthétisés. Et la toute petite partie d'androgènes qui est synthétisée par la surrénale. Chez l'homme, elle est non significative parce qu'il y aura des testicules qui vont synthétiser la plus grande partie de la testostérone. Mais chez la femme, il n'y a pas de testicules. Donc, la petite quantité, elle représente déjà beaucoup de la somme totale de la testostérone que je peux retrouver chez cette femme. Khalas, vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. Oui, les ovaires et les tissus adipeux principalement. Mais aussi d'autres tissus, hein, d'accord? L'utérus, le placenta, quand il est là, d'accord? La conversion en œstrogène se fait grâce à l'action de l'aromatase sur la delta-4-androstendione et la testostérone, production respective de l'ostrone et de l'estradiol. S'il vous plaît, l'ostrone, c'est le E1. Le stradiol, c'est le E2. Et le striol, c'est le 3. D'accord? Le stradiol, c'est la principale œstrogène chez la femme. Le strone est plutôt actif chez l'homme. Et le striol, chez le fœtus. Voilà, on vous a dit ça en biochimie. Très bien.
Très bien, très bien. Donc rappelez-vous-en. Ok, une petite astuce. La famille, je l'avais dit une fois, je pense. La famille, qui décide de fonder une famille? Qui? Bon, c'est un peu sexiste, je pense. Mais allez, j'allais pas toujours surveiller. Je connais dans la vie familiale. Non. En général, c'est l'homme. Moi, je suis. Oui. Donc, les hormones œstrogène, c'est lui le premier. Œstrogène. Donc, on a l'œstrogène. Mais je le deuxième qui est la famille. La femme. Œstradiol. Di. De. Diol. Je connais le troisième niveau. Ou les hommes. Le fœtus. Œstri. Troisième. Triol. D'accord, c'est une. C'est un moyen de vous en souvenir. C'est une astuce. Du tamara, c'est utile pour moi, j'espère que ça sera pour vous. Khalas, jayid. Donc vous voyez qu'on vous dit ici, on vous donne une nouvelle information, c'est que les œstrogènes sont synthétisés à partir de la conversion, des androgènes. Sachez que même au niveau de l'ovaire, chez la famille, c'est l'ovaire qui synthétise la majeure partie des œstrogènes. Même au niveau de l'ovaire, chez la femme, il y a au début une synthèse d'androgènes. Il y a une synthèse d'androgènes qui sont ensuite convertis par l'aromatase de la granulosa en œstrogène. Il y a des deux principales glandes endocrines au niveau de l'ovaire, la TEC interne et la granulosa. La TEC interne synthétise des androgènes. Des androgènes, ils vont être convertis en œstrogènes par la granulosa. Par la granulosa. Khalas, on est d'accord. Donc, on va voir ça en détail, les physiologies de l'ovaire et du testicule. Inch'Allah, il a fait le vote. Khalas, on avance. Hayahaya, on a beaucoup à faire aujourd'hui. Donc, voici le principe de filiation. Vous le voyez, les hormones stéroïdiennes. Et vous essayez de voir la vidéo que je vous ai publiée sur le groupe. Oui, j'essaie de donner des moyens techniques, des mémotechniques pour apprendre. Qui l'a vu? Je suis chef de la vidéo. Vous l'avez vu? C'est utile, les moyens pour apprendre. Cholestérol est une femme, elle est pregnant, elle est enceinte, sa maman l'a franchi chez un médecin, c'est le docteur stérol. Yak! On va dire qu'elle n'est pas un médecin, c'est même pas l'hébdom aldostérone. D'accord? On va dire qu'elle a un mari. Il s'appelle Diya, d'accord, vous en souvenez. Donc oui, c'est des histoires qui vont nous apprendre qui vont faciliter la tâche. Donc très facilement, vous dessinez avec le tableau. D'accord. Bien, oui. De rien. Hayat, le tissu adipeux est riche en aromatase. C'est quoi la fonction des aromatases? Je viens de le dire, c'est la conversion des androgènes en œstrogènes. En aromatase. Et la conversion d'androgène en œstrogène, voilà, son scope, est plus élevée chez les obèses que chez les sujets de poids normal. Donc, regardez s'il vous plaît. Supposons que j'ai une personne en surpoids ou obèse. Elle a plus de tissu adipeux. Donc, elle a plus d'aromatase. Donc, les androgènes surrénaliens vont être converti en œstrogène de façon plus importante. Ça, oui, là. Et si la femme, bonjour, et si mon patient est une femme, si mon patient est une femme, ça veut dire qu'elle a des ovaires. Et les ovaires vont synthétiser des androgènes qui vont être convertis en œstrogènes. On est d'accord. Mais une petite partie de ces androgènes va aussi être convertie en œstrogènes par le tissu adipeux. Donc, quelle que soit la source de ces androgènes, que ce soit les ovaires ou bien le tissu adipeux, les surrénales, ces androgènes vont être convertis en œstrogènes par le tissu adipeux. L'essentiel, quelle que soit la source des androgènes, que ce soit la surrénale ou les ovaires, la conversion des androgènes en œstrogènes sera plus importante chez la personne obèse. Allez, parce que le tissu adipeux est une glande qui peut convertir les androgènes en œstrogènes. Qu'est-ce que vous en déduisez, Hayo?
que la personne obèse a la plus d'œstrogène. Elle a plus d'œstrogène. Et donc, elle sera plus à risque d'avoir des cancers hormonaux dépendants. Les cancers qui demandent des œstrogènes ou là qui sont sensibles aux œstrogènes. Quels sont les deux principaux cancers sensibles aux œstrogènes de la femme? Le cancer du sein et le cancer de l'utérus. L'obésité est un facteur de risque indépendant et très important de cancer du sein et de l'utérus. Parce que c'est des cancers hormonosensibles. De mettre qu'on une imprégnation œstrogénique importante dans la femme, elle est plus à risque d'avoir un cancer du sein ou un cancer de l'endomètre. Quels sont les facteurs de risque de cancer du sein? Premier facteur de risque, c'est les antécédents. Antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein. D'accord? On met quand même les autres facteurs de risque. Le tabagisme, le tabac est le principal facteur de risque de pratiquement tous les cancers. Tous les cancers. Tous! D'accord? Tabagisme, obésité, ce qu'on vient de dire. Le principal facteur de risque, le deuxième principal facteur de risque, c'est l'âge. D'accord? Plus une femme avance l'âge, plus elle est à risque. D'accord? Surtout après la ménopause. D'accord? Donc, on a l'âge, le tabagisme, le surpoids et l'obésité, les antécédents, le mode de vie moderne. D'accord, les femmes qui ont une bonne situation socio-économique, c'est un facteur de risque. Ou bien les autres antécédents, la maladie fibrokystique, etc., etc. L'imprégnation œstrogénique, qui m'a la ménarche précoce et la ménopause tardive. On parle de ménopause tardive à partir de quelle année? Quel est l'âge normal de la ménopause? 45. Entre 45 et 55. D'accord. On parle de ménopause tardive à partir de 55 ans. Il faut que la ménopause, c'est une ménopause tardive. C'est un facteur de risque important pour les cancers hormonosensibles, mais c'est aussi un signe de longévité. Les études ont montré que plus la femme tient à la ménopause tardive, plus elle est. Oui, d'accord. Parce qu'elle a été bien imprégnée, les œstrogènes protègent contre l'ostéoporose et protègent contre les maladies cardiovasculaires. Est aussi un facteur de risque. Très bien, c'est une excellente question. La ménopause est un facteur de risque de cancer. D'accord. Allez. Parce que la femme, l'état, c'est une question d'âge. Et la femme ménopausée. Maintenant, la femme, l'état, elle a été imprégnée. Quelle imprégnation qu'elle est censée subir, les oestrogènes, t'as pas salat. Mais si parce qu'elle arrive une situation qui la met en rapport avec les oestrogènes, خلاص, نقصت la quantité d'oestrogène. Mais pour ça, il y a un effet mémoire. Mais si خلاص ولا ما كاش les oestrogènes, il n'y a plus de risque. هاي حياتها complue et تاخذ les oestrogènes. Vous avez compris? Donc une femme elle est ménopausée. Qu'est-ce qu'elle a une ménopause tardive? Bah, attention, la ménopause tardive. C'est une ménopause tardive. Ou là, il a le stade de ménopause. C'est-à-dire qu'elle a terminé son imprégnation, qu'elle a subi la dose maximale d'œstrogène qu'elle est censée subir. Une femme de 20 ans ou une femme de 50 ans, je connais le corps de la pacteur avec les oestrogènes. C'est la femme de 50 ans. Donc, quelle est la plus à risque de cancer du sein? C'est la femme de 50 ans. Vous avez compris? C'est que تلقات هذه كتخشي واحد يتكيف يتكيف 5 سنين ولا يتكيف 15 سنه سي لو ميم ريسك نو vous avez compris donc c'est un peu ça là on est d'accord donc attention à la sensibilisation au cancer du sein est-ce que vos proches diront la mammographie maman tante est-ce qu'ils font les mammographies chaque شحال chaque 2 ans très bien oui et vous non ils font pas du tout pourquoi. Pourquoi ils font? Il y a un facteur de risque. D'accord, très bien. Vous. Facteur de risque, d'accord. Oui, d'accord. Donc faites très attention, il faut sensibiliser la population. Toutes les femmes âgées entre 55 et 75 ans doivent avoir une mammographie.
de dépistage chaque 2 à 3 ans. Pour l'instant, les recommandations, quand même, les polios 2 ans. Mais on commence à y revenir, on peut le blé chez la famille opposée puisque les seins sont moins denses. Une mammographie chaque 3 ans suffit puisqu'elle nous expose moins aux faux positifs et elle expose moins à la radiation. On dit les facteurs de risque, par exemple, une soeur, une mère ou... Les antécédents, soit antécédents personnels, soit un antécédent de premier ou deuxième degré de cancer. Maintenant, premier degré c'est maman ou la fille. Deuxième degré, c'est grand-mère, petite-fille, sœur. D'accord? Cousine, non. Les constitutions vont dire comme des parents de troisième degré. Ou bien, bon, je vais trouver les détails. Le degré, il y a des différences. Il y a ceux qui considèrent que la cousine, que la sœur est un parent de deuxième degré, est un parent de premier degré, et que la cousine est un parent de deuxième degré. C'est faux, hein? D'accord. Pour passer d'un degré à un deuxième degré, il faut passer par palier. Qu'est-ce que on en parle? Quand on a fait le temps essentiel, gardez que sœur, mère, fille. Il y a un dépistage, les micros dépistage est plus ciblé. La grand-mère est atteinte d'un cancer. Est-ce que la petite fille, au deuxième degré, elle est considérée comme un parent de deuxième degré. C'est un truc normal, c'est un truc obligatoire que la petite fille soit atteinte. Non. Ma femme, c'est la question terre. Quand il y a c'est une autre indication. Est-ce qu'il y a lieu de chercher les gènes BRCA qui connaissent plus d'un cas, qui connaissent un seul cas qu'une famille? Ce n'est pas la peine de chercher les mutations BRCA 1, BRCA 2 ou qu'un des autres. Bon, le syndrome de Lynch, l'essentiel. Qui connaissent 2 cas, 3 cas, des cas avant 50 ans, des cas chez l'homme, des cas bilatéraux? Là, on cherche le gène. Et puisque la recherche de le gène, déroule le dépistage à l'ASIB. Vous cherchez une situation particulière, qui a plusieurs cas, trois familles d'un camp, ou un seul. Non, ma grand-mère était atteinte. Donc, est-ce que... Une seule, c'est votre grand-mère. Non, il y a une de ses sœurs. Elles étaient atteintes. Elles étaient atteintes. Il y a deux, trois sœurs qui étaient atteintes d'un cancer. D'accord, oui, elles étaient atteintes. D'accord. Ou ses filles? Oui, et d'ailleurs, elles doivent rechercher les filles d'or. On doit rechercher. D'accord? On doit rechercher. Allez, on avance. Ovaire, non. Reste simple. D'accord. Androgène surrénalien. Que je parle en parlant, normalement, il donne un module de la sensibilisation. C'est important. Hein? Comme c'est important. C'est plus important que nous courons. Croyez-moi. Tout ça. Parce que c'est ça qui sort des vies. Et malheureusement, on ne fait pas assez de sensibilisation. D'accord? Qui dit la sensibilisation à la population algérienne, c'est où vous cliquez pour faire la société algérienne, c'était très difficile, malheureusement. Alors, un pic de sécrétion prépubertaire explique le développement de la pilosité axillaire et pubienne chez la fille et le garçon. Un pic de quoi? Les androgènes. D'accord. S'il vous plaît, aide les pics. Le pic des hormones sexuelles. Qui en est responsable de la puberté? Attention, la surrénale participe au pic, mais d'une façon très petite. La principale partie des hormones qui sont sécrétées au cours de la puberté, c'est les gonades. C'est les gonades, testicules et ovaires. D'ailleurs, la puberté, sa cause, c'est ça, c'est la réactivation dans les ovaires et dans les testicules. C'est ce qui cause la puberté. Il y a une réapparition d'une activité génitale importante, apparition du cycle de la femme ou apparition de la puberté de le garçon, c'est ce qui explique l'apparition des signes sexuels secondaires. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Une poussée de sécrétion de DHEA qui débute dans la puberté et qui est maximale vers 25 à 30 ans, on considère ça comme le pic de l'activité sexuelle de l'homme. D'accord? Elle a bien parlé d'androgène, puis il diminue progressivement et atteint seulement 15% de sa valeur maximale vers 60 ans. Vers 60 ans, elle a bien parlé certains auteurs, mais chez certains auteurs, c'est connu, on parle d'andropause. L'andropause, c'est un peu l'équivalent à la ménopause en la femme. D'accord? Tous les scientifiques ne reconnaissent pas l'andropause. Hein? Mais chez qui est-ce qu'il faut bien? Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi brutal, aussi net que chez la femme. Hop, il y a un cycle et un âge.
Chez l'homme, c'est une fatigabilité sexuelle, c'est une diminution de la libido. Il peut avoir une certaine obésité à partir de 60 ans, 65 ans. D'accord, donc l'activité génitale est réduite, elle diminue à un certain âge. D'accord. Mais un homme, il peut avoir des enfants à 90 ans. D'accord. Chez l'animal, certaines études ont montré que l'apport de DHEA corrigerait les effets du vieillissement. J'ai dit les calculs des hormones du machin. Oui, voilà. Néanmoins, de la jeunesse, oui, top top. Néanmoins, les études réalisées chez l'homme sont peu concluantes. Oui, ok. Ouais, c'est ça du mot. Non, nous vivons pour mourir. Yek, c'est dans mon gène. Elle est utilisée comme supplément alimentaire. La sécrétion des androgènes surrénaliens est stimulée par l'ACTH, ce qui explique que le DHEA et l'androstendione suivent un rythme circadien. Unique téméraire, normalement c'est pas la même chose, hein. Il fallait garder circadien. Voilà. Parallèle à celui du cortisol. Parce que l'ACTH quand il vient, l'ACTH c'est une hormone, une tropine qui va stimuler la surrénale. Elle va pas choisir. Stimuler la fascicule, barcula la glomérule, barcula la réticule. Elle va stimuler les trois. Elle est bien appliquée dans la CTH, les trucs, les minéraux corticoïdes, pour l'aldostérone est aussi stimulée par la CTH. Et que cette stimulation avait certaines spécificités, elle n'était pas importante, il n'y avait pas de feedback négatif, vous en souvenez. Mais la CTH stimule d'une façon maléfique importante, mais il stimule l'aldostérone. La CTH, c'est clair qu'il va stimuler le cortisol. Et là, on vous ajoute une troisième information, c'est que la CTH, il stimule aussi les androgènes surrénaliens. Donc la CTH va stimuler les trois couches de la corticosurrénale. Là, très bien. Ils ont suivi un rythme circadien. Circadien. Monsieur, nictiméral 24 heures. Nictiméral jour et nuit. Circadien 24 heures. D'accord. Ultradien 2 heures. Okay. Hypercorticisme chronique. Classe, on arrive à la physiopathe. Je ne vais pas commencer de nouvelles vidéos. Les deux vidéos, corticosurrénale 1, corticosurrénale 2. Parce que ça ne sert à rien, je vais faire d'accord. Haya, le syndrome de Cushing. C'est quoi le syndrome de Cushing? Le syndrome de Cushing est un hyperaldostéronisme, quelle que soit sa cause. Yek? C'est un hypercorticisme, quelle que soit sa cause. Corticisme, oui, c'est une augmentation du taux de cortisol. Quelle que soit sa cause. Donc il peut être central comme il peut être périphérique. Il peut être primaire comme il peut être secondaire. Quand il est primaire, il est dit périphérique. C'est la glande qui est atteinte, c'est la surrénale, c'est la corticosurrénale. Quand il est central, c'est l'hypophyse, c'est l'antihypophyse ou l'hypothalamus. Mais pour ça, le syndrome de Cushing, on ne suit pas de la répartition, d'accord? On parle plutôt de syndrome de Cushing ACTH dépendant et de syndrome de Cushing non-ACTH dépendant. Les non-ACTH dépendants, c'est les syndromes de Cushing qui n'ont pas besoin d'ACTH pour être stimulés. Faire comme c'est les centraux ou les périphériques? C'est les périphériques. La glande surrénale, la corticosurrénale, est indépendante de toute régulation. Elle est par elle-même capable de synthétiser de grosses quantités de le cortisol. Donc, on va dire qu'elle est non-ACTH dépendante. Ce n'est pas l'ACTH qui est en train de stimuler la surrénale. La surrénale est en train d'être stimulée par elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on suspecte? Une tumeur surrénalienne. Un adénome ou là, une tumeur maligne. Au niveau de la surrénale. Yek? Quel est les hypercorticismes? ACTH dépendant, c'est-à-dire que l'anomalie m'a riche la surrénale. Il y a une quantité importante d'ACTH, quelle que soit sa source, qui est en train de stimuler la corticosurrénale. Que peuvent être les sources de l'ACTH? Soit une tumeur au niveau de l'antihypophyse, on avait appelé ça la maladie de Cushing. Une tumeur antihypophyse qui sécrète de l'ACTH qui va aller stimuler la corticosurrénale, le syndrome de Cushing, il est assez maladie de Cushing. Il est assez maladie de Cushing. Mais cette ACTH, elle peut avoir une autre source. Un syndrome paranéoplasique, une tumeur, comme les cancers pulmonaires, toutes les cellules cancéreuses, elles sécrètent de l'ACTH.
Et donc, avec la CDH, où elle va stimuler la corticosurrénale. Là, c'est un syndrome de Cushing qui est un CDH dépendant, mais qui ne dépend pas d'un adénome. C'est un autre organe, d'autres cellules qui vont synthétiser la CDH, et cette CDH va aller au niveau de la corticosurrénale. Donc, à la biha, elle est la petite cause, on ne parle pas de syndrome de Cushing central et périphérique, on parle plutôt d'un syndrome de Cushing à CDH dépendant et à CDH indépendant. Yeah? Très bien, très bien, très bien. Classe, on avance. Alors, je vais vous dire que bon, la clinique, hein, répartition anormale de la graisse avec dépôt de cette dernière sur le thorax et la partie supérieure de l'abdomen. Un dors de bison, pas vous le bison. Le bison. Où est-ce que le bison peut l'arriver? Le sébain de plus 3. Le bison. Le jamous. Dors de bison. Tu as le jamous. Il y a comme la partie antérieure. Tu as comme le franc. Il frappe la fourrure. Ça. Je suis bien. Dors de bison. Tu as un peu d'octeur. Et là, il est venu. Il est déjà. Il est nickel. Je ne sais pas. Bon. Restons concentrés. Dors de bison. Donc, avec atrophie cutanée et présence de vergetures pourpres au niveau du bas ventre, hein, les vergetures pourpres. Donc, pourpre maintenant sur le violet. Je crois qu'il y a une photo là. Voilà, les vergetures pourpres. D'accord. On parle de vergetures horizontales. C'est comme les photos quand on a qu'à verticale. Pour description clinique, on va s'arrêter de trois mains comme un plutôt oblique. D'accord. Donc, l'obésité, l'obésité fascio-tronculaire ou l'obésité cuchinoïde. Il y a des membres, une semaine ou non. Fascio-tronculaire. D'accord? Atrophie musculaire, ostéoporose avec fragilité osseuse parce que le cortisol favorise la déminéralisation osseuse. D'accord? Arrêt de la croissance chez l'enfant, très important à l'aspect. Un des enfants qu'on met sous corticoïdes pour n'importe quelle pathologie, il faut surveiller de façon très précise la croissance. Parce qu'il inhibe l'axe de la croissance et on va voir ça, le court à la GH. Yep. Attention, le cortisol inhibe la croissance. HTA, pourquoi? Why? Pourquoi on retrouve une HTA? Réabsorption de sodium. Allez, on le filament. Effet minéralocorticoïde du cortisol. Le cortisol a un effet minéralocorticoïde. Quand les doses sont très importantes, le syndrome de Cushing, les doses de cortisol, le sang, la cortisolémie est très importante. Alors bien, il va exercer un effet aldostérone-like. Donc il va favoriser la réabsorption de l'anaphus. Le anaphus va être accompagné d'une réabsorption de l'eau et j'aurai une hypertension. Hyperglycémie, parce que le cortisol est une hormone, c'est une des principales hormones de contre-régulation. Donc elle va augmenter la glycémie. Troubles psychiques. Aussi, augmentation du cortisol à 8 heures et surtout perte du rythme circadien et persistance d'un taux élevé du cortisol sur la journée, comme surtout à minuit, où le cortisol est censé être le plus bas. Comme le patient, on dose le cortisol à minuit et on le trouve élevé. C'est très caractéristique du syndrome de Cushing. Cortisol total, mais maximal à 8 heures avec une valeur plus ou moins diminuée de 50% entre 16 et 20 heures. Une disparition du cycle nictéméral, plutôt circadien, tel comme, constitue un des premiers signes d'un hyperfonctionnement. On peut doser la CTH plasmatique. La CTH plasmatique, on la dose en deuxième intention. Qui est un peu le classe qui n'a pas les monsieur un syndrome de Cushing. La CTH, on le dose pour savoir l'origine de cet hypercorticisme. Est-ce que c'est un hypercorticisme ACTH dépendant ou ACTH indépendant? Si il est ACTH indépendant, qu'est-ce qu'on parle d'ACTH? On parle HAB. On retrouve des taux d'ACTH bas. Pourquoi pas rétro-contrôle? Puisque la glande hypophyse, elle va continuer son fonctionnement normal. C'est la glande périphérique qui est atteinte. Donc l'augmentation des hormones périphériques va exercer un feedback négatif sur une anti-hypophyse qui fonctionne normalement. Et donc, j'aurai un hypofonctionnement de la CDR. Elle nous a dit que les cancers, ils développent un feedback négatif quand il y a des hormones sécrétées par là. Ça dépend.
Pas tous. هنايا vous aurez تقدر يكون عندك une tumeur qui synthétise le cortisol ou dire qu'un effet un feedback. Parce que ça dépend de la structure des hormones. Certains cancers, oui, ils synthétisent des hormones modifiées. Donc ils perdent l'efficacité du feedback parce qu'ils ne ressemblent pas aux hormones, si vous voulez dire, originales. Donc elles vont perdre la capacité de feedback. Mais pour un grand nombre de cancers, il y a l'exercice de ce feedback. D'accord? Cortisol libre urinaire, indicateur très sensible d'un syndrome de Cushing. Voilà. Cortisol libre urinaire, c'est le dosage de la cortisol chez les urines. En réalité, en pratique, on commence par doser le cortisol libre urinaire qui n'est pas là. On hospitalise le patient, on lui dose le taux de cortisol. Hop, on confirme le diagnostic du syndrome de Cushing, on dose la CTH, la Harbat, et on continue notre recherche étiologique. D'accord? Par exemple, la CTH, soit c'est un syndrome paraneoplasique, soit c'est une tumeur. Donc, je vais dire une IRM cérébrale. Ou l'hypothalamus hypophysaire à la recherche d'un adénome. Mais le cas, je cherche un syndrome paraneoplasie qui fait radiographie du thorax. Donc, dans le hammam, un scanner, d'accord. Je chauffe les surrénales, ou je commence par une échographie, ou même un scanner, selon les signes d'appel. L'essentiel, je dois retrouver une cause. Traitement, c'est le traitement de l'étiologie. C'est le traitement de la cause de cet hypercorticisme. Alors, on a terminé avec l'hypercorticisme, on passe à la maladie d'Addison. Qui a cherché la maladie d'Addison? Allez-y. Kennedy. C'est le président numéro des États-Unis. Allez-y. Ou je vais Kennedy. Oui, oui. Allez-y. La descente est aussi maladie de Bronze, c'est une conséquence de défaut de la cortisol surrénale généralement. Oui. Elle est traduite par une hypotension et une hyperpigmentation. Très bien, très bien, très bien. Donc, comment on va en parler? Allez, allez, dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune de type 2. D'accord. Cette maladie. PEA, les polyendocrinopathies auto-immunes. Il y a certaines situations, certains syndromes où il y a plusieurs organes endocrines atteints. Il y a les PEA ou il y a les NEM, la NEM 1 ou la NEM 2. Il y a une atteinte à la thyroïde, la parathyroïde, les surrénales, ou à l'hypophyse, la parathyroïde, d'accord, etc., etc. Plusieurs organes atteints en même temps. Continuez. Ce qui se traduisait pour lui en particulier par de terribles problèmes de dos jusqu'à sa mort. De dos. Dos. On va voir pourquoi. Eh? Habituellement causée par une réaction auto-immune par laquelle l'organisme attaque ses propres glandes surrénales et les empêche de fonctionner normalement. D'accord. Hein? Elle est nommée d'après Thomas Addison, c'est un médecin britannique qui a été le premier à décrire des changements de pigmentation relative à la maladie. Très bien. Il faut faire la différence entre Thomas Addison et Thomas Edison. D'accord. Qui est Thomas Addison? C'est elle le monsieur. T'as la maladie d'Addison. Quand Thomas Edison, c'est celui qui a. Bravo Thomas Edison. Eh, vous êtes fallu en pas. Bravo, très bien. Thomas Edison qui a. Bon, je ne vais pas en parler parce que. Allez, qui a fait des travaux. Qui... C'est le créateur de General Electric. Vous connaissez General Electric, il a écrit donc les machines électriques. Mais il a fait de très bonnes choses, mais il a aussi fait de mauvaises choses. D'accord, avec Tesla. Vous connaissez Nikola Tesla? Oui. Allez, cherchez. Marilyn Monroe. C'est quoi le rapport entre la maladie d'Addison et Marilyn Monroe? Vous n'avez pas cherché Marilyn Monroe? Suicidaire. Oui, vous ne savez pas, ça ne fait pas partie de notre cours. House, la prochaine fois, Kennedy, Marilyn Monroe et la maladie d'Addison. Je ne peux pas vous raconter l'histoire si vous n'avez pas cherché. Cherchez. La prochaine fois, on a les points. Kennedy, Marilyn Monroe et maladie d'Addison. Hi. Donc, la maladie d'Addison ressemble à la maladie d'Hashimoto au niveau de l'athéroïde. Oui, si vous voulez comparer, oui. Les deux ont une origine auto-immune. Les deux ont une dégradation des tissus. Et au cours des deux, on a une diminution d'un hormone de cette glande. Oui, oui, je suis d'accord. Très bien. Monsieur, vous avez vu les syndromes de Addison?
Écoute, je vais vous dire pourquoi. Très bien, c'est une très bonne question. Hi. On va voir maintenant cette maladie d'Addison. Au cours de la maladie d'Addison, c'est une insuffisance cortico-surrénalienne chronique. Chronique. D'accord? Parce qu'il y a des insuffisances aiguës. On appelle ça l'insuffisance surrénalienne aiguë, qui est une urgence. C'est l'une des principales urgences métaboliques qu'on peut rencontrer maintenant. Parce que si on ne traite pas rapidement le patient, il meurt. D'accord? C'est l'insuffisance surrénalienne aiguë. D'accord? Très bien. Elle se manifeste par quoi, cette maladie d'Addison? Par une asthénie. Pourquoi asthénie? Parce qu'il n'y a plus de cortisol et les effets du cortisol sont perdus. L'hyperglycémie du cortisol, la force musculaire qui est induite par le cortisol, et quand même je la perds, donc j'ai une asthénie. La mélanodermie, c'est quoi la mélanodermie? C'est un assombrissement, un bronzage de la peau. Quand tu fais les photos de la kinéli, tu vas oublier bronzer. Bronzer, d'accord? La peau terre. Pourquoi? Parce que l'ACTH est synthétisé à partir d'un précurseur commun qui s'appelle le précurseur pro-opio-mélanocortine. Pro-opio-mélanocortine. Puisque vous avez tout le monde une insuffisance périphérique, une insuffisance primaire, elle va exercer un feedback? Un feedback positif. J'ai une insuffisance cortico-surrénalienne. Les taux de cortisol vont diminuer. D'accord? Les taux de cortisol vont diminuer. S'il vous plaît, 40 secondes. Où est-ce que l'axe? Cache une photo. Voilà. Un des hypothalamus, l'hypophyse et la cortico-surrénalienne. Si j'ai une baisse de ces hormones, une baisse, il y aura un exercice d'un feedback positif. Vous ne me stimulez pas assez, stimulez-moi. Donc l'hypophyse antérieure va augmenter le taux d'ACTH. Elle va essayer d'augmenter le taux d'ACTH. Autrement comblé, l'ACTH il est synthétisé à partir d'un précurseur, le POMC, ou le pro-opio-mélanocortine. D'accord? Pour avoir de l'ACTH, je dois passer par le pro-opio-mélanocortine. Donc pour élever la quantité de l'ACTH, je dois d'abord élever la quantité de la pro-opio-mélanocortine. La pro-opio-mélanocortine, pour donner l'ACTH, elle va se diviser en plusieurs molécules, dont l'alpha-MSH. Alpha-MSH. Qui est la ALPH. D'accord? ALPH-alpha, ALPH-beta, ALPH-gamma. C'est pas notre sujet. L'essentiel, je vais synthétiser l'ACTH, je vais synthétiser la pro-opio-mélanocortine, et cette pro-opio-mélanocortine, je vais la dégrader pour donner l'ACTH avec d'autres molécules. Donc le syndrome d'Addison, la maladie d'Addison est accompagnée d'une élévation de l'alpha-MSH. Vous êtes d'accord? Ça a une élévation de l'alpha-MSH. L'alpha-MSH est une hormone qui est impliquée dans la répartition de la mélanine au niveau des cellules de l'épiderme. Il y a deux situations dans la mélanine. Il y a la mélanine regroupée et la mélanine répartie. Quand la mélanine est répartie, le cytosol est dans zéro. Elle se diffuse dans le cytosol. قدمها يتعون كتر قدمها نبرونزيو كتر donc l'alpha MSH elle va stimuler l'expression de la mélanine au niveau cutané. Quand j'ai une maladie d'Addison, j'ai une insuffisance primaire, cette insuffisance elle va stimuler l'axe, la stimulation de l'axe va augmenter la quantité de alpha MSH et c'est cet alpha MSH qui va augmenter l'expression de la mélanine au niveau de l'épiderme. Est-ce que c'est clair? Femme toi là, j'ai un bronzage. On appelle ça la mélanodermie. Une mélanodermie. Et c'est ça la cause de la mélanodermie au cours de la maladie d'Addison. Là, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, au cours de la maladie d'Addison, j'ai une mélanodermie. On avance. Regarde. Mélanodermie, anorexie et amaigrissement. Hypotension artérielle. Pourquoi? Parce que je vais perdre tous les effets aldostérone-like du cortisol. D'accord? Et parce que aussi, s'il y a une atteinte à la glande Kamel, n'importe quelle atteinte, elle peut me donner la maladie d'Addison. Je vais avoir des taux d'aldostérone qui sont diminués. D'accord?
Donc la diminution de l'endostérone doit me donner une hypotension artérielle. Hypoglycémie, c'est clair, il n'y a plus de cortisol. Diminution de la pilosité pubienne et axillaire chez la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte, une diminution des androgènes surrénaliens. Donc tant que c'est la pilosité. Alors le cas de la femme, pourquoi pas un l'homme? Parce que l'homme a les testicules qui vont synthétiser les androgènes. Vous voyez que la pilosité axillaire et pubienne chez la femme, elle est aussi exercée, mais chez elle, elle est principalement exercée par les androgènes. D'accord? Par les androgènes. À la pire, les costes à l'hirsutisme, ce sont des hyperandrogénémies, qui m'a le syndrome des ovaires polykystiques, etc., etc., etc. Diminution du volume du liquide extracellulaire, hyperkaliémie, acidose métabolique. C'est à cause de quoi? C'est à cause aussi de la perte de l'effet de l'aldostérone et de l'effet minéralocorticoïde du cortisol. Je n'ai plus d'effet minéralocorticoïde, donc je n'ai plus de réabsorption de Na+ contre une sécrétion de K+. Donc je peux avoir des hyponatrémies, des hyperkaliémies et des acidoses métaboliques. Des acidoses métaboliques soit parce que je ne peux plus éliminer le H+, puisque là, au niveau du contourné distal du canal collecteur, l'effet de l'aldostérone, il s'exerce par réabsorption du Na+, contre une sécrétion du K+, ou bien une sécrétion du H+. Je vais perdre la capacité de sécrétion du H+, et donc je vais avoir une acidose. Je peux avoir aussi une acidose par l'effet de l'hyperkaliémie, puisque je suis en train de perdre la capacité d'éliminer les K+ contre la réabsorption de Na+, j'aurai une hyperkaliémie. Vous savez très bien que dans plusieurs cellules de mon organisme, j'ai des pompes K+, H+, comme au niveau des érythrocytes. C'est les contre-transporteurs. Les contre-transporteurs des érythrocytes, où chez des rouilles, d'achlul K+, chez chérajul H+. Et donc l'hyperkaliémie va me causer des acidoses métaboliques. D'accord? J'ai dit. Le taux plasmatique du cortisol et de l'aldostérone sont abaissés. Avec le taux plasmatique d'ACTH est augmenté, et on retrouve aussi dans certaines situations une augmentation des androgènes. Ça, qui est l'augmentation des androgènes? Non. Les androgènes vont exercer un feedback sur l'axe gonadique. Et c'est cette élévation des androgènes qui est en rapport avec ce que je vous ai dit. À propos de John Kennedy, cherchez, vous allez comprendre. Allez, insuffisance corticosurrénale secondaire. Là, on a terminé la primaire. Bon, les causes, je ne vous ai pas parlé de causes, je ne vous ai pas répondu pour pourquoi on l'appelle maladie, non pas syndrome d'Addison. La maladie d'Addison, elle peut être la conséquence de n'importe quelle maladie qui détruit la surrénale. Une tuberculose, une atteinte auto-immune, d'accord? Même certaines atteintes autres que l'atteinte auto-immune peuvent me donner la maladie d'Addison. La différence entre une maladie et un syndrome, c'est que la maladie, j'ai retrouvé la cause Taha. Puisque j'ai identifié la cause Taha, je parle de maladie, non pas de syndrome. D'accord? Et je parle de maladie parce que j'ai pu identifier la cause. Pourquoi je l'appelle maladie d'Addison? Parce que, had la maladie d'Addison, had le syndrome d'hypocorticisme, j'ai pu identifier sa cause. On parle de maladie quand on a identifié la cause de quelque chose. Un syndrome, quand je lui attribue une cause auto-immune, destruction infectieuse, inflammatoire, je le nomme maladie. Une maladie est un syndrome qui, dont l'étiologie a été retrouvée. Voilà. Mais je crois que j'ai trouvé le contraire quand on a cherché sur la maladie de Rémy et le syndrome du Rémy. Oui. On a dit que le syndrome, c'est à cause de la diminution des calibres des. Oui. Et pour la maladie, on ne sait pas encore une cause. Oui. Quand on saura la cause, ça deviendra une maladie. La diminution du calibre de vaisseau, elle a des causes. Quitte la taille la cause, c'est quoi? C'est une vasoconstriction. Quitte la taille la cause, t'as la vasoconstriction, tu dis, c'est ma maladie d'Addison. Maladie de Raynaud. Et la maladie de Raynaud, on n'a pas encore trouvé sa cause. Vous êtes d'accord avec moi? Une maladie, c'est un syndrome dont l'étiologie a été expliquée. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. C'est ça un syndrome. Quand je peux attribuer une cause à cet ensemble de symptômes, je l'appelle maladie.
Donc, il y a le syndrome de Raynaud idiopathique, je l'appelle maladie de Raynaud. C'est un syndrome de Raynaud qui est pour l'instant idiopathique, il n'a pas de cause. Qui a parlé de la cause? Tous les rédacteurs de la cause terre. Est-ce que vous avez compris? Non. J'ai compris, mais c'est pas ce que j'ai. Si, 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 c'est ça. D'accord. Allez, on avance. Donc, l'insuffisance cortico-surrénalienne secondaire, c'est-à-dire que la cause, elle est centrale. Insuffisance cortico-surrénale secondaire par baisse de sécrétion de l'ACTH, pas d'hyperpigmentation. Voilà, je vais cacher l'hyperpigmentation. Il n'y a pas de mélanodermie parce qu'il n'y a pas d'activation de la synthèse d'ACTH. Il n'y a pas de pro-opio-mélanocortine. Donc, il n'y a pas d'excès de alpha-MSH. Et donc, il n'y a pas de mélanodermie. L'insuffisance centrale. Le problème, il est au niveau de l'ACTH. D'accord? Pas de baisse du volume du liquide extracellulaire parce que là, je suis en train de répondre. Pourquoi je n'ai pas. Il n'y a pas de baisse du volume du liquide extracellulaire, il n'y a pas d'hypercalémie, il n'y a pas d'acidose métabolique. Aldostérone normal. Parce que l'aldostérone est stimulé par l'axe rénine-angiotensine-aldostérone. Qui sera une diminution de la CTH, l'axe à l'aldostérone n'est pas affecté. Ça, puisque l'hormone, la glande périphérique, la cortico-surrénale, elle n'est pas malade. Elle va continuer à être stimulée par la rénine-angiotensine. Ça, vous l'avez là. Donc, la stimulation rénine-angiotensine-aldostérone est sauvegardée. J'en aurai pas de symptômes hydrominéral. Il n'y aura pas de symptômes hydrominéral. L'axe de l'aldostérone va être conservé. Yek? Très bien, très bien. Réponse endocrinienne au stress, bof, très rapidement. Face aux facteurs stressants, l'organisme présente deux réponses. Une réponse spécifique du type d'agent stressant, exemple infection, phagocytose, production d'anticorps, c'est une réaction spécifique. Donc je prends l'agent incriminé, une bactérie, un virus, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune, et je vais réaliser une réponse spécifique. C'est-à-dire que si c'est un corps étranger, je l'élimine. Si c'est une bactérie, je la tue. Si, je ne sais pas, cela dépend de la cause. L'essentiel, c'est une réponse au stress qui est spécifique. Le but, c'est d'éliminer l'agent stress. Yek? Réponse généralisée non spécifique, indépendante du type d'agent stressant. C'est le stress. Quel est le type de stress? Le stress psychique, il y en a pour quand même le stress. Ou quel est le stress métabolique? Le stress métabolique, c'est l'augmentation des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, toutes les hormones de contre-régulation. Donc, toutes les situations de stress ont comme point commun cette réponse généralisée qui est non spécifique. C'est-à-dire que ce soit une maladie inflammatoire, ou une maladie de cancer, ou une infection, ou une maladie inflammatoire, ou la maladie de lupus, ou la polyarthrite, n'importe quelle situation, l'organisme va répondre par cette réponse généralisée, quelle que soit la cause. La réponse elle est spécifique, elle dépend de l'agent incriminé. Non, la réponse n'est pas spécifique et elle sera la même pour tous les agents stressants. Le stress est un ensemble de réponses non spécifiques de l'organisme à une situation telle que les mécanismes de défense de l'homéostasie sont dépassés et risquent de l'être. Donc, dès que l'équilibre endocrinien de mon organisme est perturbé, j'entre dans l'état de stress. Attendez des états de stress importants. Faible de stress. Un cancer. C'est tout. La situation post-op, après une chirurgie. Je suis une grande chirurgie, c'est-à-dire une hystérectomie, ou là, colectomie, ou là, on traite le bénadou, on traite une anesthésie. Donc j'ai fait subir à l'organisme des variations physiologiques et endocriniennes très importantes. Je l'ai anesthésie, telle que la tachycardie, un peu de la tension, le système végétatif, la conscience, les organes, c'est un état de stress. Maintenant, on traite des agents infectieux. D'accord? Et donc, c'est des situations de stress très importantes. D'accord? Très bien. Facteur déclenchant, facteur physique, intervention chirurgicale. Voilà. Ils vont vous l'ont donné comme premier exemple. Traumatisme, واحد يتكسر, accident de la route, accident de la circulation, accident de la voie publique. Facteur chimique, manque d'oxygène, trop asphyxie, noyade, déséquilibre acido-basique, acidocétose diabétique, c'est des éléments de stress très importants. Facteur physiologique, activité physique. Bon, une activité physique très importante, elle représente un état de stress, mais qui n'est pas aussi important qu'une intervention chirurgicale. D'accord, c'est pas la même chose.
une douleur, facteurs psychosociaux, anxiété et conflit. En fait, il y a une différence entre l'anxiété et le stress, hein, d'accord? Et les conflits sociaux sont très impliqués dans l'état de stress physiologique et psychique. Pourquoi? Parce que l'âme est retrouvée dans un corps. Elle est bien, ce qui est organique, il est très lié à ce qui est consensuel, à ce qui est conscience. D'accord? Donc les conflits, une personne qui a des problèmes, elle aura des manifestations organiques. D'accord? Une personne qui a des problèmes, elle aura des manifestations organiques. Les réactions de l'organisme sont d'intensité variable et dépendant de la nature du stimulus. Qui met le syndrome de Takotsubo, vous le connaissez? Le syndrome de Takotsubo. Cherchez-le. Quel est le syndrome du cœur brisé? Alex sera un pic dans le syndrome de Takotsubo. Le syndrome de Takotsubo, c'est une dilatation ventriculaire dont l'aspect clinique et électrique ressemble à celui de l'infarctus du myocarde. Ah, à cause du syndrome de Takotsubo. Oui, c'est elle. Oh, c'est le cut. Oh, voilà. Le syndrome de Takotsubo, il est aussi risqué qu'un IDM. Dans le monde, ça a une rupture, t'as le ventricule, tout le monde parle hémorragie. On l'appelle syndrome du cœur brisé parce que ça a bzaf un des filles après rupture. Rupture d'une relation. D'accord. Donc vous voyez que le psychique, il est très en relation à l'organique. Les caractéristiques propres de chaque individu, la prédisposition génétique, exposition antérieure à la situation de stress, les gens répondent très différemment au stress. Il y a des personnes qui sont anxieuses, il y a des personnes qui sont histrioniques, il y a des personnes qui sont vaches. Quel est le problème qui vit de gros problèmes ou ça ne se manifeste pas. Donc il y a des différences interindividuelles. Ces réactions comprennent toujours une stimulation de la sécrétion du cortisol, qui est une hormone de stress, une activation du système nerveux autonome, principalement sympathique, IAC, le stress, ayant des effets bénéfiques pour l'adaptation au stress. Donc vous voyez que les réponses physiologiques, elles sont là, plutôt pour aider l'organisme à répondre à cette situation anormale. Le problème dans le stress, c'est qu'il est censé être temporaire. Il n'est pas censé durer dans le temps. Yek, quand il arrive d'une façon très courte, ce n'est pas dangereux. C'est l'exposition répétée au stress qui est dangereuse et qui est incriminée dans la majeure partie des maladies non transmissibles. Les maladies d'aujourd'hui, les maladies organiques, qui mettent les cancers, qui mettent d'accord. Syndrome de l'intestin irritable, tous les syndromes qu'on dit fonctionnels et qui peuvent avoir des répercussions organiques. D'accord? Il faut savoir que les taux de cancer ont beaucoup augmenté, il faut le dire. Parce que les gens sont connus, on a double cancer qui m'a dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé, Béni de Saint-Apocalypse? C'est l'environnement. Est-ce que le stress peut vous conduire à Oui. Oui, c'est clair à dire. Eh bien, non. Exposition répétée au cortisol. Le cortisol est une hormone diabétogène. Hyperglycémie, diabète. D'accord. Non. La même chose que les profs, ils ont soukha. Tout stress, quelle qu'en soit la cause, entraîne l'augmentation de la sécrétion du cortisol secondaire à une augmentation de la sécrétion de CDH. Elle-même due à une augmentation de la sécrétion de CRH par activation de différentes structures cérébrales. Donc ici, on vous montre un peu, pas clairement, parce que le stress, c'est pas quelque chose de précis dont on peut parler. C'est ça le stress et c'est ainsi qu'il agit sur l'organisme. On peut pas, c'est quoi le stress? On peut pas le définir et le limiter d'une façon pédagogique pour l'expliquer aux étudiants, c'est impossible. Donc, la planche est intéressante dans le sens où elle vous montre qu'il fiche le stress. Il peut y avoir une relation entre la conscience, entre ce qu'on ressent, entre l'effet de l'environnement et ce qui est organique. Quand on a le mac, elle est cancérigène. Très
que vous le définez? Alors, quand vous avez une matière dans l'organisme, donc elle peut avoir des récepteurs, elle modifie le fonctionnement d'une cellule, ça ou là, là. Donc c'est plus facile à comprendre. Quand vous avez une maquette de sucre ou une maquette de cancer, c'est facile à expliquer. Ça veut dire que vous avez une maquette de cancer. C'est très difficile à expliquer ou à prouver. Cette planche a pour but d'expliquer ça. Où je vais le comprendre, comme les plus puisque. L'hypothalamus est constitué de cellules neuroendocrines. C'est-à-dire que c'est des cellules qui appartiennent au système nerveux et en même temps au système endocrinien. C'est-à-dire qu'il y aura une influence de l'environnement à travers le système nerveux sur l'organique. À l'autre extrême, j'ai vu une image. J'ai vu une image de violence. Je la vois à travers quoi? À travers mes yeux. Mes yeux vont communiquer avec le système nerveux central. Et là, les neurones, ou les neurones, qui ont l'hippocampe, qui ont le système limbique, donc je la stocke, elle est stockée en tant que mémoire. Et l'hypothalamus, puisque c'est des cellules cérébrales, elles sont en communication avec le reste des cellules cérébrales. Elle est bien à ce que ma relation avec l'environnement, elle va affecter le système nerveux central. Le système nerveux central va affecter l'hypothalamus va affecter le système endocrinien. Et c'est pour cela que les effets de l'environnement vont avoir une répercussion sur la sécrétion hormonale. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer les effets de l'environnement du stress sur la sécrétion des hormones. D'accord? C'est clair? Très bien. Les effets de l'augmentation de la cortisolémie, un métabolique, augmentation des substrats énergétiques dans la circulation, comme le glucose, les acides aminés, les acides gras libres, pour approvisionner le cerveau, fournir des matériaux nécessaires à la répartition des tissus endommagés. Donc vous voyez qu'il y a un hypercatabolisme quand il y a une sécrétion de la cortisol. Par exemple, au cours d'une infection, il y a un hypercatabolisme, les montants de la glycémie, les montants des acides gras libres. Pourquoi? Pour nourrir les cellules immunitaires. Parce que les cellules immunitaires ont besoin de beaucoup d'énergie, surtout les macrophages, pour générer la réaction oxydative, l'explosion oxydative, surtout les bactéries. Elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, c'est les cellules immunitaires qui vont déclencher pour me donner de l'énergie, ça, une sécrétion de cortisol. Je dégrade le glycogène, je fais une hyoglycogénèse, je dégrade les lipides, je fais une cétogenèse. Je donne des matériaux libres, des nutriments prêts à être utilisés pour les cellules immunitaires, pour que les cellules immunitaires les utilisent pour dégrader les bactéries et les micro-organismes. D'accord? Très bien. Augmentation du catabolisme protéique dans le muscle, les os et autres, et bien le cortisol possède l'effet de résorption osseuse. Augmentation de la lipolyse pour libérer du glycérol que je peux envoyer vers la glycolyse, des acides gras auxquels je peux faire subir une bêta-oxydation pour avoir de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, je peux l'envoyer directement vers le cycle de Krebs pour avoir de l'énergie, ou bien je peux l'utiliser dans la cétogenèse pour synthétiser des cétoniques et les envoyer vers les autres organes. Baisse de l'utilisation du glucose et de la sensibilité à l'insuline par le tissu adipeux. Pourquoi? Parce que le tissu adipeux peut utiliser d'autres ressources énergétiques qui mettent les corps cétoniques, qui mettent les acides gras. Un des acides gras, il peut les utiliser chez le Khraj Tapa, ou chez lui, il va diminuer sa sensibilité à l'insuline. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. Il va diminuer sa sensibilité à l'insuline. Voilà, il diminue sa sensibilité à l'insuline parce que si la cellule adipeuse, tout comme la cellule musculaire, est censée faire internaliser le glucose à travers des glutcates. Des glutcates qui sont insulino-dépendantes. Normalement, j'ai l'insuline. L'insuline va se fixer sur ses récepteurs à activité tyrosine kinase pour avoir les effets intracellulaires de l'insuline. La cellule adipeuse, je suis en situation de stress. Je suis en situation de stress. Donc, tout l'organisme a besoin de glucides. Il a besoin du sucre. Donc, vous savez, il y a un atadaman. Ça atadaman, qui m'a dit les partis politiques, les hasabs siyasiyyam, ils disent, Dieu, le minha, tu as un drame, les mouton, les dollars, les chab, comme si c'était un acteur. Bon, je ne suis pas en train de juger les gens. Vous avez des parents qui les trachent, les dirabat, mais là, tant mieux. Qui ne seraient pas gênés en parlant. Chacun travaille avec sa conscience, hein. Faut pas juger les autres. On a le droit de voter ou de ne pas voter. Ici, c'est une vidéo pédagogique et scientifique, donc nous n'allons pas parler de politique. Flépose, d'accord, flépose, on a le droit. Très bien. Donc, il y a une situation de stress et donc le tissu adipeux va préférer laisser les nutriments pour les autres organes. Il faut aller dans le cerveau, le sucre.
Donc, je vais dire, je vais diminuer la sensibilité à l'insuline. Mais quand je dis que l'insuline, je ne réponds pas. Pas. Je ne réponds pas pour ne pas internaliser le glucose. Si je n'ai pas les acides gras. D'accord. Donc, il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline. On appelle cela l'insulino-résistance. Si ce phénomène se répète dans le temps, j'aurai une insulino-résistance chronique. Et c'est la première voie physiopathologique du diabète. Vous avez compris pourquoi le stress cause un diabète? C'est à cause de ça. D'accord? Très bien. Effet hémodynamique, élévation de la pression artérielle grâce à une action synergique avec les catécholamines. T'as le cortisol. Hein? Et le cortisol a plusieurs. Un effet permissif, on l'a dit. Les corticoïdes ont un effet permissif sur les hormones du système nerveux autonome sympathique. Inhibition de l'inflammation et des réponses immunitaires spécifiques pour diminuer les réactions du corps face à l'engorgement des tissus. Donc après activation énergétique, le cortisol a un effet anti-inflammatoire. Le cortisol il a deux effets sur l'immunité. Un effet anti-inflammatoire et un effet immunosuppresseur. Deux effets. Et ce n'est pas la même chose. Anti-inflammatoire, il inhibe la réaction inflammatoire. Immunosuppresseur, il aura des cellules immunitaires spécifiques ou inhibées au niveau de leur gène. D'accord, c'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? Donc, immunosuppresseur et anti-inflammatoire. Activation du système nerveux autonome et de la sécrétion d'adrénaline, des effets métaboliques hyperglycémie par augmentation de la glycogénolyse hépatique et musculaire, stimulation de la lipolyse, c'est ce qu'on vient de dire, effet cardiovasculaire, augmentation du débit cardiaque par stimulation de la fréquence de la contraction cardiaque, soit lui-même, soit à travers l'adrénaline. D'accord? Un effet inotrope positif, chronotrope positif, constriction des lits viscéraux et vasodilatation des lits musculaires. C'est-à-dire, on en avait parlé, le système nerveux sympathique, qui donne le cours physiologie cardiaque. قلت لكم لازم شنو الهرمون ماكلينا شفتو علاش لازم شنو الهرمون ماكلينا parce que au cours de l'effort musculaire il y a une vasoconstriction splanchnique ou la viscérale une diminution du calibre des vaisseaux splanchniques avec une vasodilatation musculaire. Pourquoi? Pour changer la répartition du sang dans l'organisme. Le sang il est réparti partout kif kif واش ندير ندير une vasoconstriction splanchnique les viscères. En même temps, il y a une vasodilatation musculaire. Parce que le sang est sorti, on va le mettre. D'accord? Qui est le sang? Il sera l'inverse. Il sera une vasoconstriction musculaire et une vasodilatation splanchnique. Parce que le sang est le sang, qui est un muscle important. Parce que le sang est le viscère. Parce que le sang est l'absorption, la digestion. Ça, c'est le sang. Donc, quand tu as une vasodilatation, une vasoconstriction musculaire, une vasodilatation splanchnique, le sang est le sang. Les viscères te racontent, le quand tu as un mot, tu as un mot, parce que normalement, tu as une vasodilatation des muscles, tu as un mot, tu as occupé un sandwich, les clitoris. D'accord? Mais je suis pas vraiment à cause de ça, tu te il y a plutôt une perturbation de la conscience, c'est surtout à cause de ça. Le quand si tu as un mot, tu as un mot, tu as oublié de faire plus rapidement, parce que vous n'avez pas assez de sang. D'accord? 2 heures. Oui. Tu vas te faire trop rapide. Si vous n'êtes pas censé être à la plage, je fais le temps que je dors. Parce que je me dis que je suis à la plage. Il ne faut pas être à midi à la plage. Ça, on n'avait pas des coups de chaleur. Je me suis à la plage. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent supporter ça. On ne connaît pas le fait de 5 minutes, on est chaud. On est à la plage, on est fort, on dort. Donc il faut aller à la plage Bikri, d'accord, 5h du matin, partir vers 11h. C'est la meilleure durée. Quoi, entre midi et 16h, ça aïe, très bien. Donc, ça, vasoconstriction au niveau rénal, diminution du débit sanguin rénal, stimulation du système rénine angiotensine aldostérone, et donc par cette diminution par cette vasoconstriction l'artériole afférente, ça va stimuler le débit rénal, donc ça va stimuler le système rénin angiotensine. Donc vous voyez qu'il y a un effet, plus l'effet minéral corticoïde, le cortisol lui-même.
une diminution de la fatigue musculaire, une hyperventilation pulmonaire qui facilite l'oxygénation des tissus. Donc vous voyez, tout ça, c'est les effets des hormones sympathiques. Les hormones sympathiques. L'état de stress. Allez. Autre modification hormonale face au stress, une augmentation des sécrétions de glucagon. Pourquoi? Pour avoir plus de sucre libre. Parce que le glucagon stimule la néoglucogenèse, la glycogénolyse, la lipolyse, la cétogenèse, et stimule la fabrication des nutriments à utilisation énergétique, le glucagon. Et de la GH, qui a le même effet, elle est hyperglycémiante. Une baisse de la sécrétion de l'insuline qui participe à la mise à disposition des substrats énergétiques. Une diminution de la sécrétion de la LH, de FSH et des hormones sexuelles. Pourquoi? Et le stress peut causer des troubles du cycle menstruel. Il peut causer des diminutions de la libido. Il peut causer des troubles érectiles. Ou là, des troubles de l'éjaculation en gland. D'accord? Parce que le stress, il perturbe l'axe sexuel. Parce que l'individu, tu es en état de stress. Ce n'est pas le temps de se reproduire. Parce que la reproduction est un acte parasympathique. Qui est censé qui est censé se produire en état d'absence de stress. Les insectes, ils se sont protégés. Qui va la défécation? Qui va la digestion? C'est un acte plutôt parasympathique, activité sexuelle. Donc, le stress va perturber cette activité sexuelle. Très bien. Une augmentation initiale de la sécrétion d'arginine vasopressine. D'accord? Une augmentation initiale. C'est très bien le mot initial. Initial, quand tu as fait l'état de stress aigu, il y a une stimulation de l'ADH. Il y a une stimulation de l'ADH. D'accord? L'ADH va augmenter la réabsorption de l'eau. D'accord? C'est un effet qui vient aider l'effet mineralocorticoïde. C'est pour augmenter la tension artérielle et pouvoir réaliser les fonctions. D'accord? Mais le cortisol à long terme, quand il y a une hypercortisolémie chronique, elle inhibe l'ADH. Le meilleur parle comme initial, l'hypercortisolémie chronique inhibe la DH. L'hypercortisolémie chronique inhibe la DH. Allez-y, vous allez vous avez une question. Monsieur, l'augmentation de la sécrétion de l'ADH. Oui. Le cortisol inhibe la croissance d'un. Oui. Ou quitte une sécrétion de l'ADH. Oui. Le GH est assez long. Non. La GH favorise la minéralisation, favorise la croissance osseuse, les sécrétions de l'ADH physiologiques. Pique la nuit, diminution le jour. Maintenant, c'est une situation de stress où je suis en train de rechercher les effets aigus dans la GH, chez les effets chroniques. La croissance, c'est lent, c'est chronique. Ça ne dure pas quelques secondes. Maintenant, la GH, je la sécrète par des pics. Au lieu des pics, le but de ta c'est de mobiliser les réserves énergétiques. Ce n'est pas la croissance. D'accord? Allez, on a terminé. Rapidement, rapidement. Objectif du stress. Pourquoi l'organisme subit le stress? Apporter des sources énergétiques supplémentaires dans le sang, maintenir la pression artérielle, interrompre provisoirement les fonctions non essentielles, qui mal la défécation, qui mal l'activité sexuelle. Il y a une carte mood, ou très même fait le magla ou la sexualité. Donc il inhibe tout ce qui n'est pas essentiel. C'est ça le stress, d'accord? Je dois rester en vie. L'hypothalamus est responsable de l'implication des réponses du système endocrine et du système nerveux sympathique au cours du stress. Voyez l'hypothalamus, c'est lui qui relie ce qui est nerveux avec ce qui est endocrinien. Voilà. Ici, c'est un peu la régulation de l'organisme devant un agent stressant à travers l'hypothalamus et le système endocrinien. D'accord. Et on a terminé cette. Enfin.